la jeunesse a souhaité participer à la manifestation organisée aujourd'hui, le 13 juillet, sur la Pariserplatz à Berlin, dans le cadre des festivités qui sont organisées pour la fête nationale française. Sur le stand d'information, on propose pour les enfants et aussi pour les parents, pour les jeunes, les moins jeunes, des animations linguistiques en français et en allemand. Et puis pour les plus petits, ceux qui le souhaitent, on propose une animation maquillage. En tant qu'institution franco-allemande, c'était important que l'OFAGE soit présent sur le village français. En particulier parce que l'OFAGE est très engagé dans les échanges de jeunes franco-allemands. J'ai eu la chance en classe de seconde, donc quand j'avais 16 ans, de participer au programme Brigitte Sauzet. Et donc je suis parti 3 mois dans la ville de Wuppertal, à côté de Köln. Et mon frère avait aussi eu l'occasion de partir. Et aussi avec mes professeurs d'allemand au lycée, on en avait déjà parlé. Et c'est par leur intermédiaire surtout que j'ai eu la chance de connaître l'OFAGE. L'OFAGE souhaite particulièrement informer les personnes qui sont présentes sur le stand sur les subventions, les bourses, les programmes de l'OFAGE, dans le but toujours d'approfondir les liens qui unissent les jeunes Français et les jeunes Allemands, mais aussi de susciter la motivation pour apprendre la langue du pays voisin, faire découvrir la culture du pays voisin. On sait que le couple franco-allemand est important en Europe, et je trouve qu'une organisation comme l'OFAGE aide les échanges franco-allemands, et ça permet aux jeunes qui seront les futurs adultes européens d'échanger sur la culture des deux pays. Donc oui, je pense que l'OFAGE c'est important parce ce qu'elle permet comme projet pour les jeunes, et aussi parce qu'elle répand comme idée pour l'Europe. L'atmosphère sur la Pariserplatz est bien sûr très agréable, en particulier avec la Strassenfest, cette fête populaire qui propose des concerts et puis aussi de la Strassenmusik. C'est très agréable. Comme j'aime bien l'Allemagne, mais que j'aime bien aussi la France, je suis venu pour fêter un petit peu la France et la culture française à Berlin.